Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame Charlotte Caudel, secrétaire d'État auprès de la Première Ministre chargée de l'enfance. Au cours des derniers jours, nos institutions ont mis les enfants et leurs paroles à l'honneur, que ce soit lors d'un débat inversé organisé par la présidente Yaël Braun-Pivet avec l'UNICEF ou avec la tenue d'un Conseil des ministres des enfants présidé par Madame la Première Ministre. Ces événements sont la preuve de la volonté du gouvernement d'obtenir de réelles avancées sur la protection de l'enfance. La création d'une délégation parlementaire aux droits de l'enfant le 13 septembre dernier, présidée par notre collègue Perrine Goulet, démontre cette volonté d'être à l'écoute de la parole de la jeunesse. Cependant, si des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années, beaucoup reste à faire. Un rapport de l'UNICEF, paru dimanche dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, fait état d'une situation alarmante. Un enfant meurt tous les 5 jours suite à des violences très majoritairement intrafamiliales. Oui, vous avez bien entendu, un enfant meurt tous les 5 jours en France. Nous ne pouvons accepter une France où une partie de nos enfants sont en danger et ne sont pas protégés. Et la notion de progrès n'aura aucun sens tant que tous les moyens ne seront pas engagés pour faire cesser ces situations. Madame la Ministre, vous avez su identifier ces difficultés en créant un comité interministériel de l'enfance. Voici ma question. Pourriez-vous nous faire un retour des échanges suite à la réunion de ce comité qui a eu lieu hier et nous préciser quelles mesures vous envisagez afin de lutter contre les violences faites aux enfants? Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Madame la Présidente, Madame la députée Bergantz, Mesdames et Messieurs les parlementaires, violence sur les enfants, santé mentale, danger sur le numérique, oui, un certain nombre de signaux restent extrêmement alarmants. L'enfance est donc une priorité du quinquennat, le Président l'a affirmé. Le Parlement et le gouvernement sont pleinement mobilisés, vous l'avez rappelé. C'est dans cet objectif que la Première ministre a réuni hier le premier comité interministériel de l'enfance au lendemain de la Journée internationale des droits de l'enfant. Avec l'ensemble des ministres concernés, la Première ministre a déterminé 5 chantiers prioritaires et une 40aine de mesures dont il m'appartiendra d'assurer le suivi et la coordination. Le premier chantier, c'est celui de la lutte contre les violences faites aux enfants. Et vous l'avez rappelé, les chiffres sont extrêmement impressionnants. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la création d'un office de police judiciaire dédié aux violences faites aux enfants. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, portera une circulaire de politique pénale dédiée à ce sujet qui sera diffusée auprès des parquets. Le second chantier, c'est celui de la santé. De la santé physique et mentale de nos enfants et on sait comme elle est atteinte à la sortie de la crise sanitaire. Le ministre François Braun a annoncé des assises de la santé des enfants au printemps prochain. Troisième priorité, le numérique. Partout où sont nos enfants, nous devons les protéger, notamment sur Internet. Le président de la République l'a rappelé au Forum de Paris sur la paix et a lancé un laboratoire sur la protection des enfants sur le numérique. Avec Jean-Noël Barrot, nous conduirons une campagne de sensibilisation auprès des parents et nous rendrons effectif la loi Studer sur le contrôle parental dans les jours qui viennent. Le ministre d'Éducation, Pap Ndiaye, généralisera le passeport PIX. Bref, notre action aux côtés des départements pour les publics les plus fragiles continuera à être effective. Je vous remercie, Madame.